À 26 ans, Yelena, qui sera en direct sur ce plateau dans un instant, vit avec de nombreux traumatismes. Mais elle se bat. Elle se bat pour vaincre ses démons. Car alors qu'elle n'avait que 11 ans, Yelena a connu l'horreur. Son grand-père maternel, en qui la jeune fille, avec toute confiance, abuse d'elle pour la première fois. Il commence par la toucher avant de la forcer à lui pratiquer des fellations. Yelena vit alors dans la honte, elle se mure dans le silence et s'isole des jeunes de son âge à cause de son mal-être. Mais l'enfer ne s'arrête pas là, car quand le père de Yelena, qui en avait la garde, est envoyé en prison, la jeune fille va vivre chez ses grands-parents. Elle se retrouve alors sous le joug de son bourreau, qui va aller encore plus loin dans les viols et la forcer à coucher avec lui. Le sexagénaire considère en fait la jeune adolescente comme sa maîtresse et il abuse d'elle plusieurs fois par semaine. Quand elle a 15 ans, Yelena menace tout de même son grand-père de tout dévoiler. À ce moment-là, il ne la touchera plus. Mais si les viols incestueux disparaissent, les stigmates de ces années d'horreur plongent l'adolescent dans l'enfer. Dans un instant, Yelena sera donc en direct avec nous sur ce plateau. Mais auparavant, retour sur sa terrible enfance, brisée par celui qui aurait dû être son modèle. Nous sommes à Bandol, dans le Var. C'est ici que vit la petite Yelena, âgée de 3 ans, avec ses parents. Mais sa mère est de plus en plus absente et ne s'occupe que très peu d'elle. Bientôt, Yelena se retrouve seule avec Eric, son père, qui est débordé par son travail. De temps en temps, il confie donc sa fille à son voisin. Et pendant les week-ends ou les vacances, la fillette est hébergée chez ses grands-parents maternels, qui vivent dans le Vaucluse. Mais ce nouveau foyer va rapidement devenir un lieu d'horreur pour la petite fille. À l'été 2004, alors que Yelena, âgée de 11 ans, joue dans sa cabane près de la maison, Théophile, son grand-père, vient la voir. Il commence à la caresser, puis il lui intime l'ordre de la suivre dans sa chambre. Là, Yelena va être abusée par le vieil homme, en qui pourtant elle avait une confiance aveugle. Au début, c'était moi qui touchais. Après, c'était moi qui devais le toucher. Après, il m'a demandé de le sucer. La première fois, il m'a complètement éjaculé dans la bouche. Et l'enfer de la petite fille ne fait que continuer. Car les sévices vont se répéter et devenir habituels. Après la sieste quotidienne, son grand-père abuse d'elle. Théophile va jusqu'à offrir des roses et des sous-vêtements à la petite Yelena. Et il lui fait même consommer du cannabis et de l'alcool. La jeune fille est de plus en plus mal, mais elle se mure dans le silence. Et alors qu'elle est âgée de 13 ans, les choses vont encore s'empirer. Cette année-là, Théophile comprend que Yelena n'est plus vierge. Il va alors aller encore plus loin. À partir de mes 13 ans et demi, il y a eu des pénétrations parce que je m'étais faite dépuceler et qu'il s'en est rendu compte. Donc pour le coup, bah voilà. Et là, bah c'était plus possible. C'était tous les soirs, c'était tout le temps. En permanence, il lui fallait quelque chose de plus. Il lui fallait toujours plus. Au même moment, Eric, le père de Yelena, est incarcéré pour des faits d'agression sur un adolescent. Yelena est alors placée en foyer puis en famille d'accueil. Mais l'adolescente fugue à de nombreuses reprises. Les services sociaux décident alors de la placer chez ses grands-parents, à l'âge de 15 ans. Et l'enfer recommence pour Yelena. 3 à 4 fois par semaine, elle est violée par son grand-père. Après une nouvelle année d'horreur, Yelena, désormais en classe de 3e, tombe amoureuse pour la première fois d'un garçon de son âge. Dès lors, elle comprend que ce qu'elle subit n'est pas normal. Et elle décide d'affronter, enfin, son grand-père. Je lui ai dit, écoute, maintenant c'est terminé. J'aime Clément, tout simplement. Je lui ai dit comme ça. Et je lui ai dit, là, c'est moi, je ne peux plus. C'est fini. Un jour, je porterai plainte. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais non, mais il ne faut pas que tu fasses ça, surtout pas. Ta grand-mère, elle va me tuer. À partir de ce moment-là, Théophile n'abuse plus d'Yelena. Mais les traumatismes de toutes ces années de viols incestueux ne vont pas quitter la jeune adolescente. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits Divers. Bonjour Yelena. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau.
Pour bien comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi ces choses se sont passées, je pense qu'il faut expliquer un peu le contexte familial dans lequel vous avez grandi, parce que vous avez des parents qui sont séparés, vous avez une maman qui ne s'occupe pas vraiment de vous. Qui n'est pas très présente, non. Pas très présente, et un papa qui n'est pas beaucoup plus. Et qui est présent, mais qui a des méthodes éducationnelles, je dirais, pas très adaptées. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il me laisse littéralement faire ce que je veux, à partir de mes 10 ans, et qui ne m'explique rien. Ce qui est assez étonnant quand même, c'est, si je ne m'abuse, votre papa, il s'occupe de jeunes en difficulté. Oui. C'est assez surprenant parce que, en fait, son métier, c'est de remettre des jeunes en difficulté sur la bonne voie. En plus, c'est des ados hein, qui ont 13, 15 ans, je crois. Plus. Même plus. 15 à 18, 19 ans. Ouais. Mais vous, en revanche, bah, il ne vous aide pas à prendre la bonne voie. Il ne comprend pas à cette époque-là que l'éducation d'un enfant, ça se fait avec des règles et avec des explications, avec des... Voilà, la parole, de l'écoute aussi de l'enfant, tout ça, il a un peu largué, mon père, effectivement. C'est assez mature de votre part de dire à un enfant ça s'éduque avec des règles, parce qu'en général, c'est vrai que vous êtes toute jeune. J'ai 26 ans. Vous avez 26 ans, donc voilà. En général, on se dit, bah oui, mes parents, ils ont été trop durs, ils m'ont imposé trop de règles. Vous, au contraire, vous étiez en demande, d'avoir ce cadre. Oui, mon père était totalement laxiste, vraiment. Il n'y avait pas d'éducation, quoi. L'éducation, je l'ai faite toute seule. En plus, après, donc, on verra, j'étais en foyer, donc je me suis vraiment forgée toute seule. Et vous vous dites quoi? Vous dites que peut-être s'il avait mis des règles, tout ça, ce serait pas passé? Je pense qu'il y a mon père, bien sûr, mais il y a plein de choses qui, peut-être, si ça avait été fait, ça ne se serait pas passé ou ça serait arrêté plus tôt. Alors, votre papa travaille beaucoup, il va vous confier à un voisin quand vous avez 9 ans, et puis il va aller en prison? Oui, à mes 13 ans. Pourquoi il va en prison? Pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs entre 15 et 20 ans, justement, enfin mineurs et certains qui avaient dépassé qui étaient majeurs. En revanche, il n'a jamais eu de comportement déplacé? Non, mais je pense qu'il aimait les garçons. Donc le fait que je sois une fille m'a certainement protégée aussi. Vous vivez ensuite chez vos grands-parents? Non, pas tout de suite. Je suis d'abord placée en foyer, famille d'accueil. Je fais beaucoup, beaucoup de fugues. Et je suis placée chez mes grands-parents qu'à partir de mes 15 ans. Donc je suis placée tard chez mes grands-parents. Comment ça se passe chez eux? À partir de mes 15 ans? J'ai déjà vécu tellement, tellement de viols à 15 ans que ça se passe... La semaine, tout va bien. Devant mes copines, j'essaye de donner le change. À l'école, pareil, j'essaye de donner le change. Mais en vrai, je suis complètement détruite déjà à cet âge-là. Votre grand-père avait commencé à vous toucher à quel âge, en fait? À 10 ans et demi, près de 11 ans, l'été de mes 11 ans. Parce que vous étiez en vacances avec eux? Oui, parce que j'étais en vacances chez mes grands-parents, oui. Vous vous souvenez de la première fois? Ah oui, bien sûr, comme si c'était hier. Parce qu'il y a des gens qu'on a ici sur ce plateau qui occultent, en fait, oui, ces moments-là. Il y a beaucoup d'amnésie traumatique, en principe, chez les victimes. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu d'amnésie, ou, enfin, en tout cas, pas d'amnésie dont je me souvienne, mais je me dis que peut-être j'ai vécu des choses plus jeunes encore, dont je ne me souviens pas, et peut-être que l'amnésie est là, mais après, à partir de mes 10 ans et demi jusqu'à mes 15 ans, près de 16 ans, je me rappelle de tout. Sans rentrer dans les détails, bien évidemment, de ce qui vous a fait, mais vous vous souvenez comment ça a été amorcé, comment la première fois, en fait, vous en êtes arrivé là? Déjà, il faut savoir que j'avais vécu des agressions sexuelles plus jeunes. On m'a forcé à mes 9 ans à faire une fellation à un ami de mon père qui a été condamné, que j'ai mis au tribunal aussi. Il a été condamné à rien du tout, mais en tout cas déjà à mes 9 ans, j'avais déjà eu cette première approche de la sexualité qui était complètement déplacée, donc mon grand-père a finalement pas eu grand chose à faire. Et j'étais dans ma cabane, donc, comme vous l'avez vu dans le magnéto, et j'étais toute seule dans les arbres. Et il est venu vers moi, il a commencé à me caresser les seins, et puis il m'a demandé de monter le rejoindre pendant qu'il ferait la sieste dans sa chambre. Et ça vraiment était tout, en fait, au départ. Et moi, je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, j'étais déjà, je pense, sous l'emprise de toutes ces choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, et je me suis finalement laissée faire, et je l'ai rejoint, et c'est là que tout a vraiment commencé. Quand il fait les gestes, parce que c'est lui, hein, bien évidemment, oui. En plus c'est l'adulte de toute façon, et vous êtes mineur, donc c'est lui le responsable de tout ça. Plus que mineur, là. Voilà. Quand il fait les gestes vers vous, vous vous souvenez de ce que vous pensez à ce moment-là? Vous vous dites, ça recommence, puisque vous avez déjà été victime de violences sexuelles? Je me sens gênée, et puis en même temps, je me dis, en fait, et c'est là le problème de l'éducation de mon père, c'est que vu qu'on ne m'a pas expliqué que c'était interdit et qu'on ne devait pas faire ça à un enfant, je me dis que je dois le faire, que c'est quelque chose que je dois faire à mon grand-père, que c'est. Comme ça, enfin, je me dis que limite, à cette époque-là, limite, je me dis que c'est normal. J'ai très vite compris que ça ne l'était pas. Et j'ai très vite été gênée, mais ça faisait partie malheureusement de ma normalité finalement. Il vous dit quoi après? Après les premiers actes?
Il vous dit de ne pas en parler, il vous dit que c'est secret. Il me dit que si j'en parle, ma grand-mère va le tuer. Ça, c'est revenu très très souvent dans ma vie. Il me dit que je suis sa petite chérie. Il me dit qu'il a limite été étonné la première fois parce qu'il me demande de suite mais comment ça se fait que tu saches le faire. Il a l'impression que je sais le faire. C'est une fellation, c'est ça? Oui, c'est une fellation. Et moi, je le regarde et je lui dis mais je sais pas. Moi, je comprends pas. Moi, je suis complètement larguée à cette époque-là. Quand il vous dit n'en parle pas, vous comprenez que c'est interdit quand même, ah vous oui. Que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas quelque chose de normal et d'autorisé. Je comprends pas, mais je me doute qu'il y a anguille sous roche, comme on dirait. Je me doute qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Et vous avez pas envie d'en parler? J'ai peur et j'ai honte un peu. Donc à cette époque-là, non. À cette époque-là, je me dis vraiment, mon grand-père a raison, ça doit être un secret. Donc je dis rien. Vous avez peur de quoi? De ma grand-mère en particulier, parce qu'elle est quand même assez violente. Vous avez peur qu'elle s'en prenne à vous? À vous, à moi, à lui aussi, parce que je l'aime, mon grand-père, à cette époque-là. Je suis sa petite fille et j'aime mon grand-père comme toute petite fille, donc je veux le protéger aussi. À cette époque, je ne comprends pas encore, je pense qu'il me fait du mal. Je pense que ça doit être fait comme ça, que dans plusieurs familles, c'est comme ça, et que c'est normal, finalement. Ça va se reproduire souvent? Ouf. Oui, alors au départ, pas trop souvent, parce qu'au début, j'ai mon père encore, je suis chez mon père. Donc, de mes 11 ans à mes 13 ans, ça se passe une fois toutes les deux semaines, plus les vacances scolaires. Et après, à partir de mes 13 ans, pendant 6 mois, je le vois pas, parce que l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, fait une enquête sociale sur mes grands-parents pour savoir si, effectivement, ils peuvent m'accueillir chez eux, s'ils peuvent me voir, tout ça. Donc, je les vois très peu et en visite médiatisée, donc toujours avec quelqu'un de l'extérieur avec nous. Donc là, bien évidemment, il ne se passe rien. Et puis, quand ils ont l'autorisation de m'avoir en week-end et de m'avoir pendant les vacances... Parce que l'enquête sociale, le bilan est positif. Eh oui, le bilan est positif. Tout le monde pense que tout va bien, dans le meilleur des mondes. Vu que moi, je ne parle pas à cette époque-là, bah forcément, personne ne peut savoir que voilà, qu'il y a un problème. Et donc, on donne à mes grands-parents l'autorisation de m'avoir en vacances et de m'avoir en week-end. Et à partir de là, bah, c'est tous les week-ends et toutes les vacances. On a compris que ça se répète souvent. Pour vous, avant que ça se passe, avant qu'il revienne une nouvelle fois, un nouveau soir ou une nouvelle journée, avant qu'il repasse à l'acte, dans votre tête, vous avez peur de ce moment-là? Vous le redoutez? Ou finalement, ça devient un espèce de passage obligé? C'est comme ça? Bah, je dirais que c'est à cette époque-là, finalement, que l'amnésie traumatique, on va dire, fait effet, parce que la semaine, c'est limite si je ne l'oublie pas. Alors, bien sûr, je ne l'oublie pas vraiment, mais je mets tout ça de côté et il y a vraiment... deux personnes en moi. Il y a la petite fille du week-end qui rend service à son grand-père et qui lui fait des plaisirs qu'elle ne devrait pas avoir à faire. Et il y a la fille de la semaine qui essaye de compenser, d'avoir l'air toujours heureuse, d'avoir l'air toujours bien, toujours souriante. D'ailleurs, je le suis encore au jour d'aujourd'hui. Enfin, voilà, je distancie, il y a beaucoup de distance. C'est intéressant l'expression que vous avez employée. Vous avez dit la petite fille qui rend service à son grand-père. Ah oui, c'était ça. C'est horrible, mais c'était ça. C'est-à-dire, vous aviez le sentiment de lui rendre service? Ben, j'avais l'impression que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Que c'était comme ça que ça devait se passer. Et pendant très longtemps, hein, il a réussi à... à force, c'est ce qu'on appelle la dissociation et la sidération, que j'ai compris plus tard grâce notamment au travail de psychiatres qui m'ont beaucoup aidée. Mais je suis totalement dissociée, quoi. Je fais tout ce qu'il me demande de faire, sans aucune résistance. Parce que pour moi... À partir du premier acte qu'il a eu sur moi, c'est devenu quelque chose que je devais faire. Une obligation, finalement, quelque chose de forcé. Comme se taire, c'est devenu aussi une obligation. Vous parlez de fellation, il est allé plus loin ensuite? À partir de mes 13 ans et demi, oui. Quand ils ont eu justement l'autorisation de m'avoir le week-end et qu'il s'est rendu compte que j'étais plus pucelle. Là, vous aviez un petit copain? J'avais eu un petit copain. En toute honnêteté, je m'étais faite dépuceler parce que je pensais que sinon, ce serait lui qui finirait par le faire. Donc c'était pas vraiment pour les bonnes raisons, mais je me suis dit, je préfère que ce soit moi qui décide. J'avais un copain depuis très peu de temps et je me suis précipitée dans une relation sexuelle avec lui alors qu'il n'y avait pas besoin, mais je voulais pas que ce soit lui qui ait ma virginité, finalement. Donc je sentais qu'il fallait le faire. C'est fort, ça, en fait. Ouais. C'est... J'en ai pas parlé souvent. J'en ai pas parlé souvent de cette... Mais j'avais déjà cette impression-là à mes 13 ans que... il allait faire quelque chose, quoi. Ça irait plus loin. Vous doutiez qu'il passerait à l'étape suivante? Oui. Il avait essayé déjà de m'enculer une fois, et ça avait été horrible. Et donc je m'étais dit que là, ça risquait d'aller plus loin. Sabrina Philippe, à ce moment-là du récit qui est glaçant,
parce qu'on rappelle, hein, elle a 10 ans, 11 ans, 12 ans. Il y a quand même une construction dans sa tête, une force pour résister à tout ça. Oui, c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, dans votre récit. Parce que même au-delà, enfin bien avant, moi ce que je comprends, c'est que vous avez grandi dans un climat de déviance. Exactement. Et de pathologie sexuelle depuis le début. Depuis le début de ma vie. Votre père, l'ami de votre père, donc ça a commencé bien avant. Ah oui. Et en effet, vous parlez de cette dissociation à ce moment-là, mais c'est la dissociation, il faut bien comprendre que c'est comme un acte de résistance. C'est-à-dire que pour que le psychisme puisse survivre, il faut quasiment s'extraire du corps. On trouve des conduites dissociantes. Moi, Exactement. Je consomme de la drogue depuis que j'ai 10 ans et demi, 11 ans, justement. Donc, je consommais du cannabis à 11 ans régulièrement. Parce que c'est ce qui me permettait de garder mon esprit à distance. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui me permet de garder mon esprit à distance, bien souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'en êtes pas sorti ? Du cannabis ? Non. Et puis de ça non plus, d'ailleurs. Oui, justement, mais c'est parce que... J'ai tellement de... Comment dire ? De choses qui sont pas normales chez moi. Enfin, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai. Dans votre histoire, en tout cas, pas chez vous. Dans mon histoire, mais même dans mes réactions au jour d'aujourd'hui, ça empiète sur ma vie, techniquement, énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes pas capable de vivre sans avoir recours au cannabis. C'est impossible. Je pense pas. J'ai essayé, mais franchement, sans grand succès. C'est quoi, quand vous fumez pas, qu'est-ce que vous êtes en dépression? Non, pas forcément des dépressions. Les dépressions, j'en fais un petit peu à n'importe quel moment. Malheureusement, j'ai eu déjà des périodes de plus de 6 mois, 1 an en dépression. Mais c'est pas lié forcément au cannabis, mais c'est surtout de l'angoisse, du ressassement. Je ressasse énormément tout ce que j'ai vécu. Ouais, beaucoup de stress, en fait. Énormément de stress. On va continuer votre histoire dans un instant, mais juste aujourd'hui, quand vous repensez à cette première partie, en tout cas... Vous avez quel regard sur votre vie ? Ouf. Bah, pas très bon. Hein. J'ai pas un très bon regard sur ma vie. Après, au jour d'aujourd'hui, à l'époque, je me pensais coupable. Au jour d'aujourd'hui, je sais que ce qui m'est arrivé, c'est de sa faute et uniquement de sa faute. Mais il n'empêche que, quand je regarde en arrière, je me dis que ma vie aurait pu être tellement différente de ce qu'elle est si j'avais pas vécu ça, en fait. Ça a eu quoi comme impact sur votre vie ? Je suis sans domicile fixe, j'arrive pas à tenir un emploi, donc je suis accro au cannabis, et encore j'ai de la chance de pas être accro à plus. J'ai eu un enfant, et elle a été adoptée, parce que j'arrivais pas du tout à m'en occuper. Voilà, ça a détruit ma vie, littéralement, ça a détruit tout ce que j'ai essayé d'entreprendre depuis. J'ai jamais réussi à vraiment me sentir assez vivante pour... Aujourd'hui, vous êtes sans domicile fixe encore ? Oui. C'est quoi votre vie aujourd'hui ? Ça dépend des périodes. J'ai des périodes où je suis en région parisienne et j'essaye d'être hébergée par des amis, où je fais beaucoup de rencontres, où je vois une psychiatre incroyable qui m'aide beaucoup. Et puis j'ai des périodes où je prends mon sac à dos, ma tente, et puis je m'en vais sur les routes de France, dans des chemins de randonnée, en voyage. Je me débrouille toujours pour avoir des amis parce que je connais beaucoup de monde dans toute la France, donc j'arrive toujours à me débrouiller, à être hébergée à droite à gauche. Mais les moments où je suis vraiment le plus heureuse, c'est quand je suis en nature, en forêt, avec ma tante et personne autour de moi. Quoi. Voilà. Vous avez des amis ? Beaucoup. Beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Oui, je suis très soutenue, bien plus qu'avant. Qu'est-ce qui fait que vous continuez à avancer, en fait ? Parce que quand vous nous décrivez cette vie, encore, on n'est pas encore... Non. On en est juste à la première partie, puisqu'on en est à l'époque où vous avez 15 ans, donc on va raconter le reste dans un instant, mais... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous continuez à avancer ? À l'époque, je ne sais pas. Aujourd'hui, je sais. Un jour, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide à l'époque. Puis un jour, j'en ai fait une qui aurait vraiment tourné. J'ai voulu me déveluxer, donc sauter d'un Vélux. Et ce jour-là, mon ex m'a fait interner parce que j'étais avec mon ex. Et il n'avait pas le choix, il ne savait pas quoi faire, il ne pouvait pas gérer. Il a fait preuve d'une force incroyable pour réussir à me retenir déjà. Et donc, il a appelé les pompiers, il n'en pouvait plus, il m'a fait interner. Et je me suis dit, quand je suis arrivée toute seule dans cette chambre d'hôpital, j'étais pas en hôpital psychiatrique, j'étais en hôpital normal, mais dans un service psychiatrique. Et je me suis dit, bon, là, ça suffit, quoi. C'est soit tu te fais vraiment sauter la cervelle et cette fois, tu te rates pas. Soit tu prends une vraie raison de vivre. Et finalement, ma raison de vivre a été la raison qui m'a détruite. Et c'est ça, ma raison de vivre. C'est de témoigner, c'est de faire de la prévention.
c'est à terme d'aller dans des collèges et des lycées pour faire de la prévention auprès des plus jeunes. C'est d'aider les autres victimes et de me dire que ce que j'ai vécu si jeune, alors que j'avais rien demandé, c'est pas possible que je l'ai vécu pour rien. Donc c'est d'en faire quelque chose. Sabrina Philippe, psychologue, on a l'impression au fond que c'est une bombe atomique qui a éclaté dans sa vie quand elle avait 9-10 ans. Et que voilà, les dégâts, en tout cas, sont encore présents aujourd'hui. Bien sûr que les dégâts sont encore présents sur une histoire comme la vôtre. Et en effet, ce que vous dites, c'est de transformer cette souffrance que vous avez vécue pour en faire quelque chose. Ça s'appelle la résilience. Oui. Maintenant, ce qui est toujours très compliqué, vous voyez, c'est que il y a toujours une propension quand on a été victime comme ça, et surtout de plusieurs personnes. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous avez été victime de votre grand-père, mais aussi de la négligence de votre père, et d'avant de son ami. Enfin, voilà. Il y a toujours une propension en soi à poursuivre le travail des bourreaux en se faisant mal. Oui. Et cesser de se faire du mal, c'est leur donner tort. Et le vrai procès, il est là, à l'intérieur de soi. Oui. On va revenir sur votre histoire quand vous avez 15 ans et pour échapper à votre terrible quotidien, vous enchaînez les fugues. Et alors que vous vous trouvez sur les routes de France depuis 7 mois, on vous prévient que votre grand-mère est gravement malade. Vous revenez donc une fois sur place. Votre grand-mère en fait appelle la police. Alors, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est moi qui l'ai appelée, mais en tout cas, elle m'a fermée dans la maison quand je suis arrivée. Donc, je revenais de 7 mois de fugue. Hein. Ouais. Vous venez pour elle, en plus. Voilà, alors que je revenais pour elle. Et là, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas du tout malade, hein, qu'elle était en très bonne santé. Elle m'a enfermée dans la maison et elle m'a dit, il est hors de question que tu repartes. Et elle m'a dit, je vais appeler la police. Et là, je lui ai dit, très bien, j'ai des choses à leur dire. Voilà, et justement, donc, quand la police arrive, vous décidez de leur raconter ce qui se passe vraiment dans cette maison. Mais les fonctionnaires ne prennent pas votre récit au sérieux et ils vous placent en foyer. Oui, enfin. À 17 ans, Yelena est envoyée par les services sociaux dans un petit lieu de vie au cœur de l'Aveyron. Là-bas, pendant un an, Yelena est aide exploitante agricole pour les paysans du coin. Elle se lie d'amitié avec le directeur du centre et elle finit par lui raconter l'enfer qu'elle a vécu. Choquée, il la conduit dès le lendemain au commissariat de Millau, où elle dépose plainte contre son grand-père pour viol et agression sexuelle. Mais à l'issue de cette plainte, Yelena est insultée par toute sa famille, qui lui tourne le dos définitivement. Sans le moindre soutien, la jeune femme se retrouve à la rue. Elle fait plusieurs rencontres et elle devient même maman d'une petite fille, qu'elle décidera un peu plus tard de confier à l'aide sociale. Le 30 janvier 2012, près de 6 mois après avoir porté plainte, Yelena est convoquée au commissariat de Pertuis pour une confrontation avec son grand-père. Devant sa petite fille, Théophile va alors reconnaître les horreurs qu'il lui a infligées durant toutes ces années. Poursuivi pour viol par ascendant et pour agression sexuelle par ascendant sur Yelena lorsqu'elle était mineure, Théophile est jugé devant la cour d'assises du Vaucluse le 30 janvier 2020. À l'issue de 2 jours de procès, il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Une victoire pour Yelena, qui tente aujourd'hui de se reconstruire comme elle peut et de lutter contre l'inceste à travers des conférences. Je m'en suis très 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 loin de m'en être remise. Mais je continuerai à me battre. Et cette manière-là, le fait d'être là, d'être en colloque et de témoigner devant vous, c'est quelque chose qui me tient, quoi, qui me permet de tenir. Retour en direct sur le plateau de La Quotidienne de Crimes et Faits Divers avec Yelena qui est toujours avec nous. Yelena, quand vous avez eu 20 ans, vous avez eu votre fille. Oui. Qui s'appelle Luna. Elle est née le 30 décembre 2013. Tout à fait. Je crois que vous ne savez pas qui est le papa. Non. Pourquoi vous l'avez abandonné, puisque vous avez, j'emploie le mot volontairement, parce que vous avez signé un acte d'abandon. C'est ça. Pourquoi ? Faut remonter loin. En fait, quand je l'ai eu, déjà j'étais dans la rue quand j'ai su que j'étais enceinte. Donc j'avais même pas de papier. À cette époque-là, j'avais 19 ans et demi, pas de papier dans la rue depuis un an et demi, donc depuis mes 18 ans. Et puis j'étais en vacances chez ma mère et je lui ai dit, au fait, maman, je suis enceinte de 5 mois. Puis là, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais attends, c'est n'importe quoi, comment ça, mais t'as pas de papier, t'as rien fait, qu'est-ce qui se passe, comment tu vas faire?
Et donc elle m'a dit, bon là, t'as pas le choix, faut que tu vives à la maison, faut que tu fasses tes papiers. Donc j'ai vécu chez ma mère pour la première fois, finalement seule à mes 19 ans et demi enceinte. Donc c'était un peu bizarre, l'ambiance était un peu particulière. Et puis je me suis occupée de ma fille quand même pendant 2 ans. 2 ans plein. Et ensuite, un jour, j'ai eu un geste déplacé envers elle. Alors, je m'explique. On était dans la douche, je lui faisais prendre sa douche. Et puis, un enfant à 2 ans, c'est plein de vie, ça court partout, ça gigote. Voilà. Bref, elle voulait pas se laisser faire, elle voulait s'amuser. Et moi, je l'ai poussée. J'ai eu ce geste de la pousser contre le carreau. Sa tête a tapé contre les carreaux. C'était un dimanche. Et j'ai eu très peur. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, maman, on n'est pas très proches. T'as jamais fait énormément de choses pour moi dans ta vie, mais je sais que t'aimes énormément ta petite fille. Voilà, il vient de se passer ça, je sais pas quoi faire. Elle habitait loin, moi j'habitais dans le sud-est, et elle habitait à Lyon, donc au-dessus, à facilement 3 heures de route. Elle a compris que j'avais vraiment peur et que j'étais vraiment mal, et elle est venue la chercher. Et donc ils sont venus la chercher, ils l'ont ramenée chez eux, et moi le lendemain j'ai appelé les juges et je leur ai expliqué. J'étais déjà suivie. Pour ma fille, donc j'avais déjà une éducatrice qui était là, mais elle était à la maison, il n'y avait aucun problème. Et donc là, quand je leur ai expliqué ça, moi de suite, j'étais plus capable de la reprendre. J'avais une telle peur que je me suis dit, de mal faire. En fait. J'avais tellement peur de recommencer. Enfin, faut dire qu'avant qu'il y ait cet instant de poussée, je m'en occupais vraiment mal. J'étais plus sur les derniers mois, j'étais limite plus dans mon lit toute la journée à déprimer qu'à m'occuper de ma fille, quoi, finalement. Donc, on a parlé avec les services sociaux, on a mis en place des visites médiatisées, donc je la voyais toutes les semaines, 2 heures par semaine. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'avais été sous traitement pour bipolarité, qui était d'ailleurs un traitement complètement inadapté. Maintenant, je le sais, mais à l'époque, bien évidemment... On pensait que vous étiez bipolaire. On pensait que j'étais bipolaire avec tout ça. Après, ça peut se comprendre. Je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de faux diagnostics là-dessus. Mais j'étais pas du tout bipolaire, c'était juste les traumatismes qui ressortaient. Et donc ce traitement c'était n'importe quoi. Pour dire je fume du cannabis, j'ai jamais été aussi défoncée que sous traitement. Donc voilà, j'étais vraiment dans un état, c'était n'importe quoi. Et je souffrais de plus en plus de cet éloignement, du fait que je vois ma fille que 2 heures par semaine, c'était de plus en plus difficile. Donc un jour j'ai demandé, c'était un peu avant l'été, aux éducateurs, comment faire pour qu'elle soit adoptée. Et on m'a répondu, si vous voulez que votre fille soit adoptée, il faut l'abandonner. Ce qui n'est pas vrai, je le sais maintenant, mais à l'époque, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, je me suis dit, bon, si c'est ce qu'il faut, je l'abandonne et elle sera adoptée. Elle aura des vrais parents, 2 parents, un papa et une maman, qui sont généralement, comme on le sait, l'adoption, c'est quand même des personnes qui ont une bonne situation, qui sont vraiment... Ça n'a rien à voir avec la famille d'accueil ou le foyer que moi, j'avais vécu. Et je voulais surtout lui éviter ça, en fait, d'être trimballée à droite, à gauche. Donc, voilà pourquoi. Donc, vous avez fait ça pour elle? J'ai fait cette démarche par amour pour ma fille, parce que je voulais vraiment qu'elle vive une vie qui soit loin déjà de toutes nos horreurs familiales et qui soit bien plus saine, qu'elle ait plus de chance. Enfin, qu'est-ce qu'elle aurait fait avec une mère dans la rue qui foutait rien de sa vie c'était, pour elle, c'était pas possible. Vous avez signé cet acte en septembre 2016 ? Tout à fait. On est en 2020 ? Vous l'avez revue ? Non, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit de la revoir. Maintenant, je sais où elle est. Ma mère a fait tout un chemin. Moi, je ne lui parlais pas à cette époque-là à ma mère parce qu'elle m'en voulait beaucoup d'avoir pris cette décision. Mais elle a contacté un avocat, elle a contacté l'aide sociale à l'enfance et elle a dit que par les liens du sang qu'elle avait, on ne pouvait pas lui interdire de voir ma fille. Donc l'adoption qui était censée être une adoption plénière, ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, s'est transformée en adoption simple. Sauf que, adoption simple, en principe, les parents peuvent voir aussi l'enfant. Mais vu que j'avais signé cet acte d'abandon et qu'on ne m'avait pas expliqué, j'ai plus aucun droit sur elle, malheureusement. Vous aimeriez la revoir ? J'aimerais beaucoup la revoir. J'aimerais pas la récupérer, mais j'aimerais beaucoup avoir l'autorisation de la revoir, oui. Pourquoi vous aimeriez pas la récupérer, par exemple ? Parce que j'estime que dans sa famille... Vous pensez toujours que vous n'êtes pas capable ? Je pense. De vous occuper d'elle. Je pense toujours que je suis pas la meilleure personne pour ça. Je pense vraiment que ma fille serait plus heureuse dans la famille où elle est aujourd'hui. Puis en plus, il me semble, des nouvelles que j'ai par ma mère, il me semble qu'elle est très bien, qu'elle s'adapte bien, que sa famille est bienveillante. Et je pense que c'est ce qui compte le plus pour moi. Sabrina Philippe, après avoir vécu ce qu'elle a vécu, finalement, c'est logique aujourd'hui qu'elle se sente pas capable, au fond, de. Même si elle l'est peut-être, mais en tout cas, elle se sent pas capable. Déjà, c'est important ce que vous avez dit, parce qu'on oublie souvent que l'abandon, c'est un acte d'amour avant tout. Et que les femmes, en effet, qui abandonnent, c'est un acte pour donner une chance à cet enfant de vivre dans un milieu plus stable.
Maintenant, la vie est longue. Et c'est pas parce que ça s'est passé comme ça, en 2016, que ça se passera comme ça toute votre vie. C'est sûr. Et vous avez encore, vous êtes jeune, et vous avez du temps aussi pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir comprendre, et pour pouvoir aussi peut-être un jour devenir mère. La vie est longue. Il y a eu un élément clé à la fin du mois de janvier, donc il y a 15 jours, hein, c'est tout frais. C'est tout frais. C'est votre grand-père qui est enfin passé devant la justice. Il a été poursuivi pour viol commis par un ascendant et agression sexuelle. Il a été condamné à 15 ans de prison. De réclusion criminelle. C'est deux choses différentes. Ça vous va? Vous pensez que... Étrangement, ça me va. En fait, je m'attendais vraiment à moins, parce que quand on voit les affaires au jour d'aujourd'hui, c'est aberrant. Enfin, c'est des peines, même pas j'en parle, parce que ça me... Voilà. Mais oui, non, je m'attendais pas du tout. Même mon avocate, on est tous restés ébahis par ce jugement. C'était pas... Le procès, vous l'avez vécu comment, au fond? C'était une façon d'exorciser tout ce mal qu'il vous a fait? Au départ, le procès, moi, je pensais pas que ça fasse quelque chose. Pour moi, ça faisait pas grande différence. Mon grand-père avait avoué, c'était ce qui me comptait. C'était pour moi le plus important. Et puis finalement, le fait de voir que vraiment, enfin, pour une fois, la justice m'écoutait, et plus que m'écoutait et m'entendait, ça fait du bien. C'est réparateur. Quand vous êtes retrouvé face à lui, dans ce tribunal, ça a dû être fort quand même. Ah, c'était... Oui, plus que fort. C'était... ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu, plus de 10 ans. Et ce qui était le plus dur, ce n'était pas de le voir lui, en fait. C'était de voir que certains membres de ma famille étaient de son côté. Et ça, c'était le plus gênant, en fait, finalement. Mais de le voir lui, je m'y étais préparée. On va dire que dans la famille, beaucoup vous ont traité de mytho. On pensait que vous inventiez des choses et que tout ce que vous disiez était faux. À l'époque, oui. En fait, toute ma vie, on m'a traité de mytho parce que j'étais une petite fille assez expansive, parce que je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est vrai que j'étais très expansive et que peut-être je cherchais aussi souvent, vu les rapports que j'avais eus dans ma vie, je cherchais à aller vers les hommes. Donc les gens se disaient, non, vu comment elle le cherche, c'est pas possible. Mais justement, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui cherche à ce point-là, c'est qu'il y a quelque chose. Mais à l'époque, c'était l'inverse, en fait. Tout ce qui, au jour d'aujourd'hui, pourrait mettre la puce à l'oreille à un professionnel, à l'époque, ça me condamnait. Voilà. C'était vraiment ça. Est-ce qu'au tribunal, votre grand-père s'est excusé? Non. Et des experts ont dit qu'il n'était même pas capable de faire preuve d'empathie à mon égard. Donc j'attendais pas d'excuses et je l'ai pas fait pour ça. Vos sentiments vis-à-vis de lui, c'est quoi? Ce sera plus jamais mon grand-père comme il aurait pu l'être. En fait, mais c'est un peu mitigé. Je me dis qu'il mérite pas ni ma haine, ni il mérite l'ignorance. En fait, il y a plus rien. Il m'a détruit. Il y a rien d'autre à dire. Au jour d'aujourd'hui, je me reconstruis loin de lui et mes sentiments pour lui, comme pour tous les gens qui le soutiennent, c'est qu'ils n'existent pas. Voilà, ils sont loin de moi. Aujourd'hui, vous nous disiez que vous êtes SDF, encore, mais si on s'intéresse un peu au côté psychologique, vous avez réussi à établir un certain équilibre. Par exemple, est-ce que vous arrivez, avec tous les drames que vous avez vécus avec les hommes, est-ce que vous arrivez à avoir une relation équilibrée non. avec un homme? Équilibrée, non, c'est pas possible. J'ai eu beaucoup d'aventures, hein, c'est pas le souci, mais faire confiance en un homme, avoir confiance... J'en suis incapable et c'est ce qui brise toutes mes relations parce que finalement, même quand l'homme est sérieux derrière, moi je crois pas. J'y crois pas. Je pense qu'on va me mentir et puis on ment. D'ailleurs, on ment très souvent qu'on va me tromper. Enfin, mes relations sont pas du tout. Sont pas du tout là, quoi. Présentes. Et quand on a vécu une violence sexuelle telle, quand on est jeune, 9, 10 ans, 11 ans, on arrive à avoir une vie sexuelle équilibrée aujourd'hui? Non plus. Parce que, alors, c'est assez étrange. Certaines personnes qui vont, par exemple, subir des viols avec violence vont derrière avoir très peur des gestes, de ça. Moi, c'est l'inverse. Mon grand-père était toujours mielleux, doux, plein de... Voilà, toujours en train de me faire des petites caresses, des petits bisous, des petites choses. Et moi, je supporte plus, pour le coup, la douceur. Je supporte plus les caresses. Il y a plein de choses que je refuse qu'on fasse, et c'est catégorique. Donc non, sexuellement, j'ai plein de blocages. Mais on vit avec. On fait avec. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez une relation sexuelle douce et tendre... Ah, je peux pas. Ça vous rappelle votre grand-père? Ah oui, j'en ai pas. C'est impossible. La douceur et la tendresse, c'est vraiment impossible.
C'est-à-dire qu'il faut de la violence aujourd'hui ? Pas non plus une extrême violence, mais il faut que ce soit fait. Faut que ce soit fait avec entrain. Quoi. Pas brutalité non plus, mais ouais. Faut qu'il y ait de l'entrain. Faut pas qu'il y ait des caresses langoureuses sur mon corps. Faut pas qu'il y ait. Parce que ça, c'est associé à lui. Ouais, des bisous qui descendent comme ça, délicatement. Je peux pas, c'est pas possible. J'arrive pas, ça me bloque très vite. Je crois qu'il y a un petit détail aussi, vous caressez beaucoup les cheveux. Oui. Et ça, vous supportez plus ? Non, j'aime pas qu'on me le fasse. Alors, je me le fais, il n'y a pas de problème, ouais, mais ouais. Par contre, je supporte pas qu'on me le fasse. Et d'ailleurs, mais bien ado, ça, c'est un déblocage qui est peut-être arrivé le premier, parce que ma mère, quand elle essayait de me brosser les cheveux, déjà, c'était pas possible et ça me mettait dans une tension. Je lui disais, ah, mais touche pas les cheveux, ça m'énerve. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours suivi. Bon. Sabrina Philippe, on voit les blocages et les tensions qui restent aujourd'hui. Alors, c'est vraiment important de le dire. La thérapie, dans ces cas-là, de grands traumatismes, ça prend beaucoup de temps. Oui. Mais, voilà, ça soigne aussi. Alors, ça n'enlève pas le traumatisme, bien évidemment, mais on apprend à vivre avec. C'est ça, à le comprendre. À le comprendre, et aussi, peu à peu, à se refaire à une certaine tendresse, et à une certaine confiance. Donc, je ne sais pas si, comment travaille votre psychiatre, mais il y a des techniques aussi. Je suis tôt dans la thérapie, hein. Voilà. J'ai commencé il y a moins d'un an. Bon. Donc ça va prendre du temps. Mais vraiment, quand elle est bien faite et bien suivie, les résultats sont étonnants et on peut se reconstruire, vivre avec quelqu'un, avoir une famille. Tout ça est possible. C'est important de le dire. Je pense avoir la chance d'avoir une des meilleures psychiatres et spécialistes dans ce domaine-là, étant donné que je travaille avec Muriel Salmona. Donc je pense que très clairement, au bout de quelques années, ça ira mieux. Puis elle m'apprend déjà plein de choses. Hein. Je mets déjà le doigt et sur des choses. Et puis y croire, c'est déjà beaucoup, hein. J'y crois, bien voilà. Sûr. Mais je pense que, enfin, je suis pas psy, hein, mais c'est mais plus de la moitié du chemin. Je pense que y croire, c'est quand même déjà le plus. C'est plus de la important. Moitié du chemin, exactement. Et en plus, avec les actions que vous menez de résilience, ça vous aide aussi. Ça veut dire que ça vous aide à mettre du sens, que vous soyez pas uniquement dans ce rôle de victime, enfermé dans ce rôle de victime, non. Mais aussi que vous puissiez vous aussi prendre l'ascendant sur ce qui s'est passé pour le transformer. Maître Sandrine Pégan, c'est vrai qu'un des combats d'Yelena, c'est aussi de se battre contre l'inceste. On l'a compris dans ce oui. Que vous allez faire. Aujourd'hui, juridiquement, l'inceste, c'est quelque chose qui est condamné, je suppose. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Je vais être synthétique. Aujourd'hui, c'est clair et net, le Code pénal ne reconnaît pas l'inceste comme une infraction autonome. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est une circonstance aggravante des violences sexuelles à caractère incestueux. En fait, l'inceste, c'est quoi ? C'est des relations sexuelles entre des personnes dont le mariage est interdit. Alors, à la décharge de la justice, il y a quand même eu des évolutions, parce que depuis 2010, et surtout depuis la loi de 14 mars 2016, on reconnaît un petit peu plus l'inceste, mais pas encore comme un délit ou comme un crime autonome. D'accord ? C'est bizarre. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi, excusez-moi. Oui. Je comprends pas pourquoi. Alors, là aussi, je vais essayer d'être... Alors, pardonnez-moi du terme, ça s'appelle être grossière, mais grossièrement par rapport au terme juridique, c'est que par rapport au fait qu'il y ait une proximité avec la famille, ouais. Il a été pendant longtemps difficile de pouvoir caractériser le fait que le viol ou les violences sexuelles, par ruse, par menace ou par surprise, aient pu avoir lieu parce que justement il y a une proximité familiale. C'est justement parce qu'il y a une proximité que c'est encore plus grave. Eh bien non. C'est ça, malheureusement. C'est et justement, il y a. Et voilà, c'est ça. C'est là où le bas blesse. Mais il y a quand même des évolutions. Et les parlementaires travaillent aussi vraiment de façon. C'est-à-dire que le fait d'être violé par son père, par son grand-père, c'est pas plus grave que le fait d'être violé par un inconnu. Pour les non-avertis, bien sûr que si, ça l'est. Ben oui. Mais aujourd'hui. Mais pas juridiquement. Pas juridiquement. Alors, mais bien sûr, je vous dis, il y a quand même des évolutions qui font que, bien sûr, c'est reconnu à caractère incestueux. Mais ça reste une circonstance aggravante. Qui fait que les peines sont un peu plus alourdies. Mais c'était cette proximité au niveau de la génération, au niveau de la famille, qui faisait que de caractériser juridiquement la surprise, la menace, la contrainte, la ruse, c'était un petit peu plus compliqué. Juste, Yelena, je crois que vous avez envie de passer un appel, également pour terminer un appel... Pour obtenir des papiers, vous n'avez pas de papiers ? Ah non, c'est pas du tout ça. Alors, pour obtenir des papiers, ça va se faire parce que j'ai eu récemment une domiciliation. Donc ça y est, ça va pouvoir se faire. Mais effectivement, j'ai pas de papiers au jour d'aujourd'hui. Mais c'était pas ça mon appel. Moi, aujourd'hui, je suis ici pour m'exprimer. Si des personnes me voient et souhaitent qu'elles soient, je sais pas, à l'éducation nationale ou qu'elles soient, peu importe, psychiatres ou qu'elles veulent me faire intervenir, voilà, moi, ce que je veux, c'est intervenir un maximum auprès principalement de jeunes, mais au mois de mai, je vais avoir l'occasion à Paris de former des juristes, donc des futurs juges. Vous avez envie de partager votre expérience ? Tout à fait. Alors, on va afficher le numéro de téléphone de l'émission, d'ailleurs, si des gens ont envie de vous joindre, on vous transmettra tout ça. Bien sûr. Et pour le logement, l'emploi, vous cherchez ?
Alors, emploi pas tout de suite, parce que pour l'instant, je suis en attente d'indemnisation donc du tribunal, et ça va être long, parce qu'il faut encore une expertise psychiatrique pour pouvoir m'indemniser. Oui, mon avocate a demandé une expertise. Comme ça, ça, enfin, je sais pas, apparemment, c'est mieux de faire comme ça. Donc, mais vous pouvez demander, excusez-moi, mais vous pouvez demander aussi par provision à la CIVI, qui est la commission d'indemnisation. On a demandé, et pareil, on attend. Enfin, oui, c'est vrai départ, que c'est un peu long, il semblait que c'était être à mon grand-père de payer, mais eux peuvent se retourner contre tout à fait. Lui. Ils peuvent pallier à la défaillance voilà. de la donc, personne. Donc là, j'attends ça, et donc pendant encore un an, je vais vivre sur les routes avec mon sac à dos et ma tente. Vous avez envie ? Oui, j'en ai envie pendant encore un an. Et après, une fois que j'aurai cette indemnisation, je compte essayer de me stabiliser, de me prendre un petit logement en location quelque part et de reprendre doucement. Alors, un travail, oui, mais pas en 35 heures. Commencer par un 25 heures et y aller, voilà, poser mes bagages doucement parce que ce qui me fait le plus peur, c'est ça finalement, c'est vivre en société. Quand vous le souhaitez, Yelena. Merci beaucoup. Quand vous souhaitez être heureuse, surtout merci. Après toutes ces années d'horreur que vous avez vécues. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous.